Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV. Reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Le gouvernement a été investi par l'Assemblée nationale jeudi 22 décembre 2016 et les cérémonies de remise et reprise ont débuté hier vendredi. Suivez le résumé des vice-premiers ministres et ministres d'État du gouvernement Sami Badibanga qui sont entrés en fonction. Edith Chala. Le gouvernement Sami Badibanga, après l'investiture, prend les rênes de commandement. Les remises et reprises ont eu lieu dans tous les ministères. Aux affaires étrangères, c'est un vieux routier, Léonard Sheikh Kitundu, PPRD, ancien ministre du même ministère, qui prend la main à Raymond Tshibanda, ULDC. Mais avec le rang de vice-premier ministre, il a le devoir de remettre l'administration au travail et faire lever l'épée de Damoclès de l'Occident sur les personnalités congolaises. Franck Moïdi Malila et Antoine Boyamba, respectivement vice-ministre des Congolais de l'étranger et de la coopération, ont dans la foulée cédé leur place à Yves Kisombe et Emmanuel Ilunga. À l'intérieur, Évariste Bouchab, PPRD, cède le fauteuil à un autre PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, qui reste conscient des défis à relever. Ici, le directeur des cabinets adjoint du chef de l'État, Jean-Pierre Kambila, était présent. Martine Bukasa, vice-ministre de l'Intérieur sortante, a passé le flambeau à Basile Olongo Pongo. Au ministère de Transport et Voies de Communication, c'est un autre vétéran, José Makila, ATD, élevé au rang de vice-premier ministre, qui a pris la place de Justin Kalumba Mwanangongo. Le vice-ministre sortant, Simplice Ilunga, a lui aussi remis le dossier à Sami Adubango, vice-ministre entrant. Au ministère élevé au rang de ministère d'État, on note celui de la justice, scindé en deux. Alexis Tambwe Mwamba a levé le pied sur les droits humains que Marie-Ange Mouchobekwa conduira désormais. Le vice-ministre à la justice, Mbosoko Diapwanga, laisse la place à Kyove Kola, vice-ministre entrant. Pierre Kangoudia, de l'UNC, fait son entrée au budget alors que Michel Bongongo de l'opposition républicaine qu'il remplace s'installe à la fonction publique en lieu et place de Pascal Issoumbicho, ministre sortant de la fonction publique. Ernestine Nyoka, aussi vice-ministre sortante du budget, passe la main au vice-ministre entrant Willing Gopos. Au ministère du Plan, c'est Jean-Lucien Boussa, CDR, qui remplace Georges Wendy, NAD dans la conduite du secteur. Willy Matiachi du Palou a dit adieu au ministère de Travail, Emploi et Prévoyance sociale, au bénéfice de Lambert Memas Matoukou, Palou, qui a pris le bâton de commandement. À la décentralisation et réforme institutionnelle, ce n'est pas un novice. Azarias Roubérois va mener les troupes, avec en ligne de mire la rétrocession aux provinces. Il succède à Salomon Balamouéré, qui a cédé une autre branche de son ministère à Vena Chipassa, dorénavant en charge des affaires coutumières. Le vice-ministre à la décentralisation, Montana Oten, est aussi entré en fonction. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari, a déclaré les grandes lignes de sa politique avant de reconnaître le professionnalisme et la compétence de ses collaborateurs à tous les niveaux. Louis-Dor Balekelaï, Olivier Makiesse pour le reportage. C'est après des ovations dignes de son rang lui réservées par les militantes et militants de son parti, le PPRD, que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Ramazani Chadari, a pris possession de son bureau ovale. En présence des vice-ministres entrant et sortant de l'intérieur, Basile Olongo et Martine Bukasa, du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Jean-Pierre Kambila, des officiers supérieurs de la police et des responsables des services publics sous tutelle, le nouveau patron de l'intérieur, après passation de flambeau avec son prédécesseur Évariste Bouchab, a décliné quelques aspects de sa politique pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Des élections et le cycle électoral relancé pendant que je me retrouve désormais au cœur des opérations, aux côtés bien entendu de l'institution constitutionnelle chargée de la sécurisation que la CIVI. Les nouvelles provinces continuent de produire, vous l'avez dit, leurs problèmes de jeunesse, qui finit toujours par remonter jusqu'au niveau national. Merci infiniment de m'avoir prévenu et je saurai désormais à qui m'en tenir. J'ai aussi retenu que les services sont professionnels et leurs responsables particulièrement compétents. Je connais nombre d'entre eux. J'aimerais ici rassurer tous les collaborateurs de mon esprit d'ouverture et de mon sens de l'écoute. Mais je jouerai pleinement mon rôle de coordinateur et je donnerai à chaque occasion l'impulsion requise pour la situation.
C'est ainsi que, dans le jour qui vient, je visiterai avec mon vice-ministre tous les services pour nous imprégner de leur réalité et de leurs attentes. Ici, de noter que c'est dans une ambiance de cordialité que les deux camarades du parti présidentiel qui s'apprécient mutuellement se sont séparés. Contrairement à d'autres ministères, à l'économie nationale, Modeste Bahati, étant reconduit et élevé au rang du ministre d'État, a consacré sa journée de hier vendredi à la présentation de la vice-ministre de l'économie nationale, Madame Ngoma Akupendae, à tout le personnel du ministère. Un récit de Sandra Nyangitabou. Si dans d'autres ministères, la journée de ce vendredi était marquée par les cérémonies de mise et reprise, à l'économie nationale, Modeste Bahati, étant reconduit et élevé au rang du ministre d'État à l'économie nationale, a plutôt procédé à la présentation de la vice-ministre à l'économie nationale, Madame Ngoma Akupendae Bichumu, à tout le personnel du ministère. Devant un échantillon de cadres de l'administration représenté par le secrétaire général Christophe Kalalambayo, ceux du CPCE représentés par le secrétaire permanent Marcel Moulumba Kenga et de tous les membres du cabinet, Modeste Bahati a promis à sa nouvelle collaboratrice directe sa franche collaboration et celle du personnel du ministère qu'elle devra désormais utiliser. Le ministre d'État à l'économie nationale a présenté quelques dossiers sensibles à la vice-ministre comme le contrôle de prix sur le marché, socle de l'amélioration du social des Congolais, avant de lui souhaiter plein succès. Madame Ngoma Akupendae, très flattée de l'accueil lui réservé, a promis de mettre tout en œuvre pour accomplir sa lourde tâche. Peu avant, le ministre d'État a effectué une visite de bureau de son cabinet. Modeste Bahati a voulu, dès le lendemain de sa reconduction et de son élévation par ordonnance présidentielle, avoir la température de son cabinet de travail. Et à la CENI, l'opération de révision du fichier électoral dans la province du Lualaba se déroule bien, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante. Il a encouragé le personnel opérationnel à l'efficacité dans l'accomplissement de sa tâche. Lopez Kakuba pour le commentaire. Le 22 décembre, dans les après-midi, c'était le tour de Lualaba à recevoir la visite du président de la CENI, Corneille Nangaï Obeluo, qui venait pour inspecter et superviser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le numéro 1 de la CENI a commencé sa visite à l'école primaire Tupendane dans la commune de Malika à Kolwezi. L'école primaire 4 Nourou dans la commune de Dilala était la seconde étape de sa visite. Corneille Nangaï Obeluo s'est dit satisfait de cette opération. Je suis donc venu voir comment évoluent les choses, mais aussi m'assurer que tous les centres d'inscription tels que prévus sont opérationnels. Cette opération est en cours et nous espérons que dans les jours qui viennent, tous les centres seront ouverts dans toutes les provinces. Pour une satisfaction surtout à Lualaba, à Kolwezi, aucune machine n'est en panne, toutes les machines sont opérationnelles et l'enrôlement se poursuit normalement. Le président de la CENI a tenu une réunion technique avec les agents et cadres de son institution à l'antenne de la CENI Kolwezi. Question de les mobiliser au travail bien fait pendant cette période délicate des opérations. Toujours à Lualaba, le gouverneur a été suffisamment renseigné par le président de la CENI sur la nécessité de sa grande implication à la sécurisation du processus de l'enrôlement des électeurs dans les différents centres d'inscription. RSI de Lopez Kakuba. Arrivé à Kolwezi, dans la province de Lualaba, le président de la CENI, Corneille Nangaï Obeluo, est allé présenter ses civilités au gouverneur de province, Richard Muyej Manguez Mans. Corneille Nanga a donné la feuille de route de sa mission de travail qui consiste à superviser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. En province de Lualaba, nous avons 459 centres d'inscription. On a ouvert 22 premiers centres à Kolwezi. Il va falloir qu'on atteigne Muchacha, Dilolo, Sandoa, Kapanga et Lubodi. Je suis venu pour booster ces déploiements et ces lancements progressifs des centres d'inscription. L'objectif étant qu'au 29 décembre, tous les centres soient ouverts. Corneille Nangaï Obeluo a signifié au gouverneur qu'il va se rendre également à Kalemi et à Kamina pour voir les déroulements de l'enrôlement. La République arabe d'Égypte, par le biais de son ambassade, tient à soutenir la promotion de la langue arabe en République démocratique du Congo à travers la faculté des lettres et sciences.
Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information.